Bonjour, je suis Ali Sabari. Je suis architecte urbaniste spécialisé dans le patrimoine culturel africain. Je suis la fondatrice de African Art, qui est une plateforme numérique consacrée à la promotion de l'art contemporain d'origine africaine et émanant de la diaspora africaine. Je suis heureuse d'être ici avec des intervenants qui sont des sources d'inspiration dans le cadre de cette série de dialogues sur l'Afrique organisée par le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique. Le thème de cette année, c'est l'identité culturelle et l'appropriation culturelle, changer les mentalités. Et j'ai avec moi deux intervenants. La première, c'est le docteur Bertha Missi, qui est spécialiste dans le domaine du conflit et du développement communautaire, spécialisée dans la défense de la paix dans le domaine de l'intervention humanitaire en Afrique. Elle a travaillé dans des institutions gouvernementales et non gouvernementales, comme par exemple les Nations Unies, l'initiative de Nairobi pour la paix et pour l'Afrique, et ActionAid. Elle enseigne dans le domaine de la science politique et des études sur le conflit dans des universités américaines comme la New School University, l'université de Syracuse à New York, et en Floride, l'université Nova Southeastern. Elle fait des recherches dans le domaine des conflits, dans le domaine du règlement des conflits, règlement pacifique des conflits, dans le domaine de la mondialisation, les relations sociales entre États en Afrique. Elle s'intéresse également au rôle de la musique dans le règlement des conflits en Afrique. Bon, la deuxième intervenante, c'est M. Dorcy Rugamba, qui est acteur, réalisateur, metteur en scène. Il a monté plusieurs productions théâtrales, en tant qu'acteur ou scénariste. Il travaille en Europe, en Afrique. En 2020, il a travaillé sur Les Restes Suprêmes, qui est une pièce de théâtre sur la restitution du patrimoine africain produit par le Théâtre National de Belgique. Il travaille à l'heure actuelle sur un opéra et sur l'histoire de l'Afrique en général, un opéra qui sera monté à Rabat, au Maroc, cette année, dans le cadre du Festival européen. Rabat étant capitale africaine de la culture cette année. Monsieur Rugamba est également le fondateur de Urwin Toré, des ateliers Urwin Toré. C'est quelque chose qu'il a fondé, qu'il a monté à Kigali en 2020. Il s'agit d'un espace consacré à l'art contemporain au Rwanda. Il a également fondé en 2012 l'initiative Rwandaise pour l'art, une organisation à but non lucratif qui a pour but de contribuer à la professionnalisation de l'industrie de l'art au Rwanda, et de Moyo, qui est une maison de publication qui publie des auteurs en langue africaine. Donc, madame, monsieur, bienvenue à ce débat. Et je vais poser ma première question à vous, Dorcy. À votre avis, quel est le statut de l'industrie culturelle en Afrique, et en particulier au Rwanda? Et comment est-ce que des initiatives telles que l'initiative pour les arts rwandais peuvent jouer un rôle et peuvent modifier le paysage économique culturel en Afrique? Bonjour, Alissa. C'est un plaisir que d'être parmi vous cet après-midi à l'occasion de ce dialogue en ligne concernant la culture et la refonte des identités. Je pense que c'est une question très importante parce qu'en Afrique, beaucoup de pays africains sont vraiment jeunes. Les jeunes représentent le gros de la population. Et favoriser le développement de l'industrie culturelle, c'est favoriser la croissance économique. C'est également important pour la cohésion sociale de la société. Et en outre, c'est également important pour notre patrimoine. Et pour la créativité de cette jeunesse. Au Rwanda, par exemple, on dit très souvent que nous avons de nombreux artistes rwandais, très talentueux. Mais ceux-ci ont besoin d'agents, de représentants. Et pour travailler, ils ont besoin de mobiliser d'autres acteurs, des agents qui travaillent à leur côté. Et nous travaillons avec eux pour favoriser l'avènement d'entreprises puissantes dans le domaine de l'industrie artistique, pour que cette industrie puisse être de plus en plus forte
Et c'est justement ce que nous efforçons de faire dans le cadre de cette initiative rwandaise pour les arts. Aider non seulement les artistes, mais aider la culture et aider à l'avènement d'entreprises culturelles pour que cette entreprise soit plus puissante. Ok, très bien, merci Dorcy. Donc vous avez parlé de cohésion sociale, ce qui me mène à la question suivante que je vais poser à Bertha. Dans quelle mesure la culture peut-elle jouer un rôle en tant que véhicule, outil de la paix en Afrique ? Ben, c'est en fait une question très très importante, Alissa, parce que je pense que celle-ci est au centre de ce que nous faisons pour trouver des solutions dignes de ce nom au problème de la violence sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, et notamment du conflit, des conflits violents. La question de savoir comment nous pouvons régler les conflits, les traiter, pas seulement dans le sens de conflits armés, mais les conflits dont nous faisons l'expérience au jour le jour. Parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés aux conflits, nous sommes confrontés à des situations conflictuelles dans les relations que nous maintenons au jour le jour, sur notre lieu de travail, dans notre famille. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne conçois pas le conflit non seulement au sens des relations internationales ou au sens de deux États qui se font la guerre ou de groupes armés luttant les uns contre les autres. La culture, ça renvoie à nos ressources culturelles, ça renvoie à nos pratiques. Et là, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose de très important. Et l'interprétation que nous en faisons est très importante. Ça nous permet de faire du sens de tout cela. Ça nous permet d'en extraire des ressources importantes. Des ressources que nous arrivons à extraire des langues, de l'expression artistique, de la poésie, des chansons, des rituels. Des rituels que beaucoup d'entre nous ont négligés pour nous aider à faire face aux problèmes. Ceci nous donne les ressources qui nous permettent d'innover, parce que nous sommes au 21e siècle, avec l'Internet, avec toutes les manières de communiquer, mais en même temps, nous devons trouver des solutions. Nous devons trouver des solutions qui sont pertinentes, qui fonctionnent dans la réalité, dans les réalités auxquelles nous sommes confrontés sur le terrain, au niveau de communautés locales. Donc les ressources culturelles, cette question de l'identité culturelle, de l'appropriation culturelle, la refonte des mentalités, c'est vraiment une question très très importante pour l'Union africaine. Ça a été recensé comme un thème important, prioritaire par l'Union africaine, et j'espère que nous pourrons également mettre l'accent sur... pour nous qui travaillons dans le domaine de la paix, pour ce qui nous inquiétons donc de la paix, de la cohésion sociale, pour nous c'est quelque chose de vraiment central. Et ça renvoie à la recherche de la paix. Je pense que lorsque l'on recherche la paix, nous devons lancer un exercice d'introspection. Nous devons prendre en considération ce dont nous disposons, ce qui est à notre portée, et cesser de nous tourner vers l'extérieur et de ce qui peut nous être donné par d'autres. Je considère cela comme un appel, comme une manière de nous encourager à regarder ce que nous avons à notre disposition, à travers le patrimoine riche, les riches ressources culturelles. Celle-ci est fondamentale pour ensuite informer les décisions que nous prendrons pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment les problèmes de violence. Aujourd'hui, il y a le terrorisme, il y a ce concept de terrorisme et ces manifestations les plus récentes, comme par exemple Boko Haram, les problèmes que l'on observe actuellement dans le nord du Mozambique. Donc ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, dans la région du Sahel, mais également dans l'Afrique, dans le sud de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, El Shabab en Somalie. Non, nous devons regarder ou nous tourner vers l'intérieur et nous demander ce dont nous disposons, parce que nous avons quelque chose à la question, de savoir comment nous pouvons utiliser ce dont nous disposons dans nos mondes qui sont extrêmement riches aujourd'hui, dans nos pratiques, notre manière de comprendre le monde, notre conception du social, nos valeurs, nos principes de Ubuntu, comme on l'appelle, pour renforcer la cohésion sociale par le biais de la consolidation de la paix, des solutions de maintien de la paix qui sont conformes à la réalité dans laquelle nous vivons. Il faut que celle-ci soit cohérente pour nous, s'inscrive dans les langues que nous parlons, dans notre compréhension du réel, du local, si nous voulons avancer, si nous voulons donc améliorer la qualité de la vie.
Parce que tout le monde a des aspirations, tout le monde aspire à une vie plus pleine, à une vie meilleure. Waouh, merci beaucoup Bertha. Alors vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Vous avez dit que la culture peut avoir un sens particulier. Et je pense que c'est un objectif auquel on peut tendre. La question suivante que je voulais vous poser à tous les deux, c'est de savoir quel est le rôle de la culture et de l'industrie de la culture en particulier dans la définition et dans la réappropriation de notre identité en tant qu'Africain. Bertha, allez-y. Hein. Nous avons déjà eu une discussion très intéressante sur la question. Je pense que c'est une occasion formidable que d'avoir la possibilité, justement, de, après y avoir réfléchi, de revenir à cette question. Et là, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dorsey, à savoir la nécessité de tout d'abord comprendre que l'identité, notre identité, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de dynamique. Et j'ai beaucoup aimé comment il a signalé, que comment il l'a dit. Nous devons comprendre que notre identité, c'est quelque chose de dynamique. Et ensuite, deuxièmement, et nous en avons parlé, nous ne sommes pas seulement géographiquement parlant des peuples africains. Nous ne limitons pas au continent. Certains d'entre nous, que nous appellerons des peuples africains, ont été déracinés du continent par le biais de l'esclavage, par le biais du commerce transatlantique des esclaves, qui, à mes yeux, est quelque chose de similaire à l'Holocauste. Ça a été un accident tragique de notre histoire, ou un incident tragique de notre histoire. C'est quelque chose qui a dispersé les populations africaines, et aujourd'hui vous retrouvez des groupes donc d'Africains qui vivent en Amérique, qui vivent dans les Caraïbes. Il y a la diaspora africaine que l'on connaît sous le nom d'Africains, et même si ces personnes n'ont pas grandi sur le continent, eh bien on peut tracer leurs origines à certaines sociétés ou certains groupes en Afrique. Même si c'est vrai que la généalogie et les évolutions généalogiques sont en train de changer cette réalité. Cependant, on trouve beaucoup d'échos. Lorsque nous nous rencontrons, il y a des similarités, c'est ça que je veux dire, mais il y a également des différences. Mais avant cela, il ne faut pas oublier le commerce des esclaves, donc, qui fait que les Africains ont voyagé, ont quitté le continent, ils ont migré au niveau continental, ils sont allés vers d'autres continents. Ces histoires ont été oubliées, elles ne sont pas connues, elles n'ont pas été écrites. Beaucoup d'entre nous... Nos cultures, nos sociétés n'étaient pas des sociétés de l'écrit, c'était des sociétés plus orales. Mais les Africains se sont déplacés et nous ne sommes plus limités aujourd'hui géographiquement par certaines frontières. Beaucoup de ces frontières... Et les États modernes que nous occupons sont véritablement un legs colonial. Nous ne les avons pas créés nous-mêmes. Donc la création volontaire, et nous travaillons en fait sur la base de ce que nous avons, et nous essayons d'en tirer le plus grand profit. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'identité culturelle, c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer. Il y a des éléments qui restent constants, c'est vrai, en tant que peuple africain. Et l'élément qui ressort, pour moi, c'est justement l'élément social, l'élément relationnel, le cœur, le fait de nous réunir. Et ça se manifeste de différentes manières, et notamment par le biais de la famille. La métaphore pour moi ici filée, c'est celle de la famille, sœur, frère. Même en tant qu'étrangers, lorsque nous nous réunions, c'est comme si tout de suite nous commençons à parler de frères, de sœurs, nous y trouvons une mère, un oncle, une tante. Et je dis que ce n'est pas seulement africain, mais j'ai remarqué ça chez les Africains, je trouve ça fascinant. Et notre identité, ce n'est pas seulement une identité culturelle.
Parce que très souvent, le traitement de ceci, c'est un traitement eurocentrique. Mais nous sommes également des êtres humains. Nous vivons dans un monde et nous contribuons à ce monde au niveau international. Quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, nous contribuons, et c'est une contribution de qualité à la vie. Et nous apportons dans cette contribution nos propres valeurs culturelles, cette valeur africaine de travail conjoint. Au Kenya, nous avons ce terme en swahili, harambe. Donc, travailler ensemble, tirer tous dans la même direction. Et je pense que c'est une contribution extrêmement importante sur laquelle nous pouvons travailler. Nous sommes également confrontés, étant donné les réseaux sociaux, l'Internet et les nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et je suis fasciné par la manière dont les Africains utilisent ces réseaux sociaux, ces plateformes pour s'exprimer et pour dire hey, « Hé, nous sommes là !» Et voilà ce que nous faisons. Et voilà quelle est notre contribution, la contribution que nous réalisons au monde dans lequel nous vivons. Voilà, c'est ce que nous faisons par le biais de cette plateforme. Nous contribuons ainsi, nous contribuons au monde. Et je pense que c'est une manière de renforcer notre identité et notre identité culturelle, le caractère unique de notre identité culturelle. Nous célébrons non seulement le caractère unique de notre identité culturelle, mais également notre contribution qui est unique en tant que peuple africain. Mais c'est en fait une déclaration. Donc nous disons haut et fort que nous faisons partie de l'humanité. Que nous sommes des êtres humains, que nous sommes des êtres dignes, vous savez, et que nous sommes des agents qui disposent des compétences, des ressources, des capacités pour changer le monde. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'Afrique un lieu meilleur, mais d'améliorer le monde. Et je pense que si l'Afrique va mieux, le monde ira mieux. Waouh, merci beaucoup. Dorcy, oui, je suis d'accord avec Bertha. Oui, l'identité. Je dis très souvent, l'identité, c'est un mot complexe. Parce qu'il y a, quand, il y a un côté obscur au mot identité. Parce que dans de nombreux pays, il y a des gens d'extrême droite, des politiciens qui jouent la carte de l'identité comme quelque chose d'exclusif et d'excluant. Mais comme Bertha l'a dit, l'identité, c'est quelque chose de dynamique. Parce que le monde est en train de changer. Les sociétés, nos sociétés sont en train de changer. Et nous sommes nous-mêmes en train de changer. Nous n'avons pas la même identité que nos parents. Je n'ai pas la même identité que celle de mon père ou que mon père ou que mon fils. Mon fils aura une autre identité. Cependant, nous sommes quand même liés. Et c'est quelque chose de positif, je crois. Parce que de toute façon, on ne vit pas de la même manière. Alors aujourd'hui, j'utilise un ordinateur, j'utilise un téléphone pour me connecter à d'autres personnes. Demain, la vie qui sera vécue par mon fils sera une autre vie. Et la culture, en fait, elle nous aide à être heureux dans ce changement permanent, nous aide à créer de nouvelles identités. Par rapport au passé, ce n'est pas véritablement un bouleversement, non. L'idée, c'est de trouver de nouvelles interprétations de nos valeurs dans la société moderne. Et nous pouvons célébrer le caractère unique de notre caractère de l'Afrique, ce qui est magnifique parce que l'Afrique est riche de nombreuses langues, elle a une culture très dynamique et c'est quelque chose qui nous permet de célébrer notre patrimoine. Et en même temps, nous pouvons ainsi célébrer comment notre culture peut nous permettre de nous connecter avec le reste du monde. Parce que la culture africaine a inspiré le reste du monde. Les cultures que vous voyez aujourd'hui en Amérique et dans de nombreux pays d'Europe, en Amérique latine, se sont inspirées, elles sont liées à l'Afrique. Lorsque l'on parle de salsa, lorsque l'on parle de jazz, lorsque l'on parle de blues, on parle de la manière dont l'Afrique a créé une nouvelle musique, un nouveau son.
et une nouvelle manière de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et là, je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Et je pense que la culture a un rôle très important à jouer aujourd'hui. Après, il y a une autre raison, parce que nous venons tous de pays qui ont un passé violent. Moi, je suis rwandais, Bertha est kényane, et nous avons dans l'histoire de nos pays une histoire faite de violence, la violence de l'ère coloniale. Et cette ère coloniale a semé le chaos dans nos sociétés. Elle a détruit beaucoup de nos cultures. Elle a même détruit nos temples, notre patrimoine. Les œuvres d'art africaines sont dans les musées européens. C'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais c'est ce que nous, ça reflète ce que nous sommes véritablement. Je suis ce que je suis et je suis le produit de cette histoire. C'est la raison pour laquelle j'écris en français et en kinyarwanda et j'ai ces deux langues. Et c'est quelque chose que je dois accepter. Et voir le côté obscur et la beauté dans tout cela, parce que c'est moi et je dois m'accepter, je dois accepter ma culture. Et avec la culture, j'aide des gens comme moi, des jeunes d'aujourd'hui, à l'accepter. Et comment donner un sens magnifique à tout cela? Parce que si nous ne comprenons pas comment la culture peut nous y aider, nous aurons une autre manière d'interpréter le passé qui pourrait être une interprétation erronée. La violence qui découle de l'extrémisme, la violence qui découle du djihadisme, par exemple, exploite ce problème d'identité des peuples. Parce qu'il y a cette violence. Mais la réponse n'est pas la violence. La réponse réside dans le fait de trouver, de se réaliser et de s'accepter tel qu'on est. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer une Afrique qui est nouvelle, à partir de maintenant. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème pour les sociétés d'aujourd'hui. Je pense que la culture... Je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la culture, c'est tout simplement un divertissement. Alors oui, c'est vrai que parfois, c'est un divertissement. Mais des fois, cela va aussi plus loin que le divertissement. La culture, c'est la paix. C'est la cohésion. C'est la solution à beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et là, je voudrais intervenir, si vous me permettez, Liberta. Et je pense que nous... Alors tout d'abord, je suis d'accord avec ce qu'a été dit, avec ce qu'a dit Dorsey. Je pense qu'il a raison. Je pense que nous devons accepter, nous devons être pragmatiques. Je pense que nous devons accepter notre identité. Alors, bien sûr, on peut se bercer d'illusions, mais nous en sommes là où nous en sommes. Si vous regardez la situation aujourd'hui avec la pandémie, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, qui a une incidence sur notre manière d'interpréter le monde que nous considérions comme allant de soi. Alors que les choses changent véritablement. Les choses ont beaucoup changé, ont été bouleversées. Parce que si vous regardez par exemple les enterrements, qu'est-ce que ça veut dire Si vous regardez donc les rituels, les pratiques, elles sont liées à nos identités. Comment vous allez enterrer vos familles? Moi, je viens de Logari, donc la manière
selon laquelle vous allez enterrer les gens, c'est très important et ça a beaucoup changé. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire certaines choses qui sont très importantes parce que les enterrements, ça réunit la famille élargie, ça permet de réaffirmer les liens, les relations. Et c'est même une occasion de nous entretenir. Donc, ça permet de réunir des clans, des membres d'un même clan, du côté de votre mère, de votre père, vos cousins, les gens que vous ne vous ne voyez jamais, sauf pour les enterrements. Donc, un enterrement, c'est bien plus que le simple fait d'enterrer quelqu'un. Et les enterrements aujourd'hui ont dû s'adapter à la pandémie. Donc, dans ces moments de réaffirmation de notre identité en tant que groupe, nous permettent également de renforcer notre compréhension de notre appartenance à un certain groupe, en plus d'appartenir à une communauté, parce que nous n'appartenons pas seulement à certains groupes, nous appartenons à certains groupes culturels. Par-delà les communautés ethniques, les groupes, nous appartenons également à une communauté politique. Vous appelez ces États comme vous voudrez, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, mais en plus d'appartenir à une communauté particulière, à un groupe, vous appartenez également à ces États. Mais au niveau local, au niveau de l'identité de groupe, même au niveau de la famille, ces rituels, ces pratiques culturelles sont une manière de nous réunir, des événements qui nous permettent de réaffirmer notre identité et notre sentiment d'appartenance. On peut dire, voilà, ça c'est ma communauté, j'ai ma famille, ma communauté. Mais en même temps, vous avez ces rituels qui, au niveau national, nous permettent d'affirmer notre identité en tant que membre de cette communauté politique. Alors moi, je pense parfois qu'il y a une certaine contradiction, mais nous sommes en train de nous réinventer, comme l'a dit Dorsey. L'Afrique est en cours de réinvention. Nous sommes en train de nous réinventer. Nous sommes en train de réinventer les rituels qui nous permettent de nous réunir en tant que Kenyans et de réaffirmer notre identité et notre manière, la relation que nous maintenons avec le monde. Et pour moi, les ressources culturelles, en particulier pour les populations et les peuples africains, nos sociétés étant diverses, variées, nous offrent cette richesse, qu'il s'agisse de rituels, de manifestations, de célébrations, de fêtes, de saisons dans le calendrier, le calendrier. Donc le calendrier culturel, en quelque sorte, chaque groupe a son calendrier, des étapes dans la vie, des droits de passage, tous ces rituels qui sont des moments qui nous permettent de réinterpréter, réévaluer qui nous sommes, qui sont des moments où nous pouvons nous exprimer, définir qui nous sommes par rapport au groupe ou à la communauté à laquelle j'appartiens. Mais nous avons une certaine marge de manœuvre. Nous avons une certaine marge de manœuvre qui nous permet de comprendre qui nous sommes. Nous sommes des individus avec une identité individuelle, une identité qui est unique. Et nous en avons parlé, la tendance à voir des expressions africaines de nous-mêmes ou de notre identité comme des identités collectives. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, effectivement, il y a cette solidarité, ce sens du collectif, mais je pense qu'il y a également une certaine marge de manœuvre. Nous avons la possibilité de nous exprimer à titre individuel, d'exprimer notre identité, notre contribution unique, comme l'ont dit Dorsey, Alissa, et de le faire, par exemple, dans le choix des noms. Par exemple, le nom en Afrique, le nom que vous portez est très important, vous le savez. Ce n'est pas comme ça des noms qui sont distribués au hasard. Certains noms ont un sens. Les noms que l'on donne à ses enfants, ce sont presque comme des prières. Nous voulons bénir notre groupe, notre famille. Pour davantage de prospérité, c'est comme un cadeau que vous donnez. Voilà les ressources qui sont à notre disposition. La question est de savoir pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas sur la base de ces ressources. Des ressources qui nous permettront donc d'innover. Bon, Alissa. Question. La question est bien posée. Vous avez parlé de cette idée que j'apprécie beaucoup, cette idée
que nous nous situons dans un mouvement de renouveau, de reconstruction de l'Afrique. À votre avis, comment pourrions-nous tirer parti de notre culture, de nos industries culturelles pour aider réellement à développer notre continent, pour que cela profite réellement à la population, pour que aussi cela puisse être exploité économiquement? Comment s'y prendre? Dorcy, peut-être vous pourriez nous parler plus en détail de votre initiative. Quel était le but poursuivi? Vous avez parlé du fait qu'il fallait engendrer davantage d'entrepreneurs culturels. Vous avez parlé d'un potentiel de rassemblement de la jeunesse. Comment tirer parti de notre culture et de nos industries culturelles pour que nos continents puissent en tirer profit? C'est une question qui m'intéresse aussi. J'aimerais savoir ce que Dorcy a à nous dire, parce que ce n'est pas qu'une question de divertissement. Nous, les Africains, nous ne valorisions pas toujours notre art, nos artistes. On a du mal à s'adapter aux manières occidentales d'en parler. Pour nous, l'art n'était pas conçu en tant que tel, c'était quelque chose d'holistique, c'était quelque chose qui allait au-delà du divertissement. Peut-être cela avait un rôle pédagogique ou même un rôle prophylactique. Donc, Dorcy, vous en avez parlé, Dorcy est artiste d'ailleurs, et donc j'aimerais beaucoup connaître sa perspective. Effectivement, je suis artiste et en même temps, beaucoup de gens pensent que je travaille dans le divertissement. C'est vrai d'ailleurs. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je vous donne un exemple. Nous avons créé une maison d'édition, Moyo. Une maison spécialisée dans la littérature au service des écrivains. Notre idée, c'était que nos meilleurs écrivains trouvaient essentiellement leur public dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les maisons d'édition. La littérature est donc écrite en français ou en anglais. Il s'agit de trouver son public. En même temps, il nous faut créer une littérature dans nos propres langues, et pour cela, il faut créer un public. Par exemple, on travaille sur l'écrit, mais aussi sur les audiobooks. Avec ce format enregistré, on peut aussi diffuser la littérature par la radio, et cela peut atteindre jusqu'aux villages les plus isolés. C'est un autre aspect important pour notre patrimoine, pour notre langue, mais en même temps, cela crée un marché énorme. Et cela parce que la culture est aussi source de valeur. Par exemple, dans la communauté est-africaine, on trouve plus d'une centaine de millions de swahilophones. Et cela, c'est un outil important qui peut être mis au service de la musique, du cinéma, de la littérature. C'est une très grande richesse. Et la valeur de cette richesse va au-delà du divertissement. C'est sans doute du divertissement, mais cela crée aussi de l'emploi, ça crée de la croissance, ça crée un immense marché. Dans le cadre de l'Union africaine, maintenant, on parle de constituer un marché africain. Mais ces marchés, ils ne peuvent pas naître d'une pure volonté politique. Il faut que les populations y soient associées. Il faut donc créer du lien.
et donc en quelque sorte créer un espace où les valeurs puissent être facilement communiquées. C'est là, je crois, que la culture a son rôle à jouer en ce qui concerne la croissance économique en Afrique. Ma prochaine question sera la suivante. Quels sont les éléments manquants sur le plan politique? Que doit-on demander à nos États pour que toutes ces belles perspectives s'avèrent? De l'argent. Oui, de l'argent, mais aussi du lien avec la population. C'est la population qui doit être au cœur de ces efforts. Je reviens sur ce que nous disait Dorcy sur les industries culturelles. La première question qui se pose, c'est de connaître le musicien. On ne peut pas faire de musique sans musicien. Alors, comment comprendre la figure du musicien dans nos sociétés ou du chanteur? En Afrique de l'Ouest, par exemple, on a la notion du griot, mais cette notion n'est pas particulière à l'Afrique de l'Ouest. Tous les peuples africains et les sociétés du continent ont une figure d'une personne douée pour la musique qui a joué un certain rôle social. Mais cela, ça sort un peu du cadre économique néolibéral capitaliste de réification où on échange des marchandises contre de l'argent. C'est ce que j'appelle le moment capitaliste. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avoir une réflexion pour savoir exactement quelle est la figure du musicien. Qu'est-ce qu'un artiste? Quel est le rôle d'un artiste en Afrique? Ceux qu'on appelle des musiciens ou des chanteurs. Quel est le rôle de l'ensemble de ces activités? La musique, le mime, la comédie, la danse, la poésie. Toutes ces activités ont toujours eu un rôle à jouer dans nos rituels. Un rôle bien déterminé au service d'un objectif. Par exemple, il s'agissait de nous rassembler à certaines dates. Certaines dates qui avaient une signification sociale qui s'est un peu perdue. D'ailleurs, il faudrait peut-être la retrouver, retrouver le sens de ces rituels. Tout cela, ça peut être source d'inspiration. Et trop souvent, on passe à côté. Voilà autant d'aspects à prendre en compte dans nos réflexions. Je vous parlais avant des funérailles. Ce rite d'accompagnement des morts afin qu'ils rejoignent leurs ancêtres. Là encore, il faut faire attention aux formulations, aux rôles qui reviennent à chacun. Quelles sont les danses à danser? Pourquoi est-ce qu'une certaine danse s'impose à un certain moment et pas une autre? Et tout cela était très consciemment pensé, ce n'est pas arbitraire. Il s'agit de mettre en branle l'ensemble du corps et pas seulement l'esprit. L'être humain est conçu comme un être rationnel, mais aussi comme un ensemble d'esprit, de cœur, de corps, un système connaissant, un système intelligent, tout ça formant un tout intégré. Donc, pour moi, l'intérêt du musicien, du poète, il est en quelque sorte philosophique. Il s'agit de personnes qui sont à même d'apporter une perspective particulière. Ce sont nos critiques, ce sont les yeux de la société. Ils repèrent certains schémas et ils nous en rendent compte. Ils en sont le reflet. Donc voilà autant d'éléments à prendre en compte dans une réflexion. Certaines de ces musiques, certaines de ces chansons, de ces danses par exemple, cherchent à nous rappeler ceux qui nous ont précédés, à nous rappeler notre histoire, à renouer avec une certaine lignée, à la perpétuer, à perpétuer certaines valeurs. Il y a aussi une valeur thérapeutique.
Il peut s'agir, par exemple, de guérisseurs spirituels dans nos communiqués. Nos médecins, si on peut leur donner ce nom-là, avaient un rôle de missionnaire. Les missionnaires, d'ailleurs, les ont très rapidement considérés comme de nature démoniaque, comme des sauvages, sans intérêt. Tout cela a été écarté, alors que, à mon avis, c'est source d'une très grande richesse. Donc l'observation de ces figures peut nourrir nos spiritualités. Il y a une dimension spirituelle au développement, et nous, les Africains, nous sommes des êtres d'une grande spiritualité. Peut-être on a trop laissé ce champ-là aux universitaires ou aux téléologiens, mais il faudrait que, au quotidien, on se réapproprie cet aspect, et cela peut passer par la compréhension du rôle thérapeutique de l'artiste. Lorsqu'un artiste nous pousse à la danse, ou bien lorsqu'ils imitent nos façons de faire, nos arts, notre danse, nos théâtres sont très interactifs. Est-ce que vous avez remarqué ça dans nos manifestations culturelles? On n'est pas simplement spectateur passif. Les publics et l'artiste sont en conversation, sont en rapport l'un avec l'autre. L'artiste, donc, imagine la manière d'entamer un dialogue avec le public et d'amener son public vers un certain point. Cela crée une forme de plateforme, une sorte d'espace virtuel qui est aussi l'espace de résolution d'une série de problèmes. J'aimerais vous donner un exemple. C'est quelque chose que j'ai vécu en Ouganda du Nord. C'était une période assez difficile au moment du conflit armé en Ouganda du Nord. Et donc, je me rendais vers l'une des zones où nous avions un projet et j'allais parler à la communauté. Il faisait grand jour, mais c'était, il y avait un couvre-feu, c'est-à-dire que vous viviez votre vie, puis à certains moments, il fallait rentrer chez soi après le couvre-feu. Donc, le soir, le divertissement était difficile à cause de l'insécurité. En rentrant vers le site du projet, j'ai su passer par un marché au bétail. Cela dans un village qu'on a traversé. C'était sur un champ, il y avait des chèvres, des vaches aussi. C'était donc un marché au bétail où l'on venait donc acheter ou vendre les bêtes. Un peu plus tard, nous sommes repassés au même endroit. La lumière était éteinte. Il n'y avait plus de bétail. Et c'était une danse qui avait commencé. Au lieu du bétail, il y avait une danse. C'était une forme de day club au lieu d'un night club. Et ça, cela m'est resté. Ce que j'ai remarqué, c'est que même dans ces situations de conflit, il y avait énormément de danse ou de chansons. C'était un phénomène qui m'a beaucoup surpris. Ces gens-là étaient plongés dans des situations où ils pouvaient perdre la vie à n'importe quel moment, et pourtant, il chantait, il dansait. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une valeur supplémentaire à cette danse. C'était une forme d'invocation de la vie dans une situation mortifère. Une situation où la mort semblait régner partout autour de nous. Et la danse permettait de créer un espace de vie. C'était une parole qui émergeait de nos corps, de nos voix. Il ne s'agissait pas simplement d'écrire au niveau politique, mais au niveau local, si l'on veut, les corps étaient notre politique. C'était donc une forme d'expression spirituelle.
Cela pose d'ailleurs, à mon avis, la question du rapport entre les politiques et les réalités locales, parce que une politique peut être élaborée, et d'ailleurs elle peut avoir du sens pour son rédacteur, mais au niveau local, lorsque la personne intéressée se pose la question de savoir s'il finira même la journée en raison de la guerre, guerre à laquelle l'État peine à mettre fin, alors toute la question est comment est-ce que ces politiques peuvent trouver leur écho? Ma réponse, c'était qu'il y a un travail de création de sens au niveau populaire. Et cela passe notamment par la danse, par la musique, qui nous aide à survivre jour après jour. La danse, elle permet aussi d'évacuer le stress. Elle permet d'évacuer cette immense adrénaline qui se constitue dans ces situations. Donc, je nous invite collectivement à réfléchir à la nature de cette situation. Et ici, l'artiste, le poète, a tout son rôle à jouer. Lorsqu'ils chantent, on les écoute. Lorsqu'ils dansent, on se met à danser à leur suite. Je parle par exemple de la musique congolaise. Même dans nos sociétés autochtones, on peut y voir des évolutions. D'ailleurs, je ne veux pas le réduire aux pures expressions traditionnelles. On voit que dans la musique congolaise, on peut voir un métissage entre les formes latino-américaines, les formes occidentales, les formes autochtones. On se sert de technologies occidentales pour ce qui est des instruments, mais on y apporte un élément africain. Il y a donc un mouvement qui nous porte à emprunter des idées d'ici et là et à les incorporer à notre élément à nous. Et cela nous permet de comprendre notre place ici, Iketnunk. Parce que c'est bien ici et maintenant que l'on habite. On n'est plus dans le Goulou, dans l'Ouganda du Nord d'il y a 200 ans. C'est bien en 2021 que l'on vit. Et dans ce contexte présent, comment utiliser les ressources culturelles? J'ai l'impression que donc on n'a pas tout à fait donné à nos ressources culturelles leur véritable valeur, ni d'ailleurs à ceux qui sont l'expression de ces ressources culturelles. On ne leur a pas donné toute leur valeur. On les tient un peu pour acquis. Et je me demande si ce mouvement ne provient pas aussi de mouvements coloniaux, de l'héritage colonial, où nous avons un peu perdu la trace, nous avons un peu méprisé ce qui était nos musiciens les plus doués, nos batteurs. On a perdu la transmission, par exemple, par l'apprentissage ou par les rituels. Ces apprentissages, ces rituels qui permettaient d'homologuer, pour ainsi dire, les capacités du musicien, mais aussi son rôle dans la société. À l'époque, d'ailleurs, traditionnellement, un écho était payé à ces musiciens. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que on ne continue pas de le faire? Pourquoi est-ce que on n'apporte pas un soutien à ces artistes? Je crois d'ailleurs qu'ils méritent notre respect parce que ils sont en fait des dirigeants rituels. Et tout cela est extrêmement important. Cela joue un rôle pédagogique, cela a une vraie valeur sociale. En d'autres termes, il faut véritablement les mettre au centre de nos efforts et leur fournir des ressources. Dorcy nous a parlé de la question de la langue, de la question de l'ouverture des marqués qui va avec et de la manière d'atteindre de nouveaux publics.
La langue que nous utilisons, c'est l'anglais, le français, ne parlons même pas du swahili, ou encore moins des langues locales. Là, déjà, par l'utilisation de la langue, c'est déjà tout un groupe qu'on écarte. Alors, en remettant au cœur de nos efforts les personnes qui partagent notre langue, on les met aussi en avant, on leur donne une voix, et on rend tout le processus interactif. On permet aux gens de se rendre compte qu'ils ont une contribution à faire. Et cela, je crois, cela nous ouvre des perspectives. Cela permet d'enrichir les contributions de chacun, de chacune. Et c'est peut-être un avenir possible pour nos politiques. C'est d'ailleurs une question qui m'inquiète beaucoup, toujours en revenant à la question de la consolidation de la paix en riposte à la violence. Parce que cela ne peut pas se faire sans bien comprendre le contexte dans lequel ces violences naissent. Voilà l'étape actuelle de ma réflexion. Chacun, quand il est victime de violences, doit pouvoir trouver un moyen de s'y rapporter. Et certains, des gens qui subissent la violence, ont des idées pour lutter contre. Et ces idées ne sont pas écoutées. On a des gens, des universitaires qui arrivent, qui pensent tout savoir, alors que ce n'est peut-être pas le cas, et il faudrait peut-être mieux écouter les locaux. Je vous remercie. Alors, on arrive à la fin de notre débat, mais j'aurais vu une dernière question à vous poser, une question qui nous permet peut-être de résumer tout notre propos. Quelle est l'Afrique que vous voulez ? Je peux vous répondre à cette question, et en même temps, je vais répondre à la question précédente sur nos attentes à l'égard des institutions publiques et des États. La culture peut être envisagée de nombreux points de vue. Mais moi, j'aimerais me situer du point de vue de l'industrie. Ça veut dire que les opérateurs, les artistes en Afrique ont besoin de ressources. Je rêve de voir davantage de films africains produits en Afrique. Et pas uniquement par des producteurs occidentaux. Il faut voir se multiplier les expériences comme Nollywood à Nigeria. Parce que c'est un bon exemple d'une culture qui peut être produite au niveau du pays. Les ressources d'un certain pays peuvent effectivement donner lieu à des créations d'emplois, mais en même temps peuvent être riches de sens. Ce que je veux, c'est une Afrique indépendante. Pour produire les artistes, les penseurs sur notre sol, il faut une indépendance intellectuelle. Donc voilà l'Afrique dont je rêve. Merci, Dorcy. Et vous, Bertha ? Je suis d'accord avec Dorcy. L'Afrique dont je rêve, elle existe d'une certaine manière déjà. Nous avons les richesses, les ressources nécessaires pour réaliser les aspirations, les potentiels. Les ressources sont en chacun. La question, c'est comment utiliser les ressources, comment en tirer parti pour créer le genre d'Afrique que nous voulons voir émerger. L'Afrique que je veux, c'est une Afrique où les Africains ont foi en eux-mêmes et se conçoivent comme des agents, des artisans du changement, de la transformation, où les Africains, les Africaines savent que cela est possible, et cela dès maintenant, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'arrivée d'un bailleur de fonds, et qu'il ne faut certainement pas penser qu'un autre le fera à leur place, même si cet autre doit venir du continent lui-même. Voilà donc l'Afrique dont je rêve. En Afrique, on a déjà des philanthropes, on a déjà des envois de fonds, mais l'Afrique que je veux, c'est une Afrique où nous pourrions nous organiser. Nous avons déjà nos millionnaires, nos milliardaires. Je voudrais que ceux-ci, celles-ci, réinvestissent leurs fonds. Il s'agirait donc d'amener à une création et non plus simplement à une imitation.
Donc, une fois qu'on a tiré notre richesse, eh bien, comment la réinvestir? Comment créer encore plus de valeur? Comment faire en sorte que cette valeur soit perpétuée? Moi, ma génération, nous ne sommes pas le bout du chemin. Or, je n'ai pas l'impression qu'il y ait cet effort de perpétuation. Donc, il faut organiser la philanthropie. Je ne dis pas que à ce sujet, il n'y a rien qui soit fait. Mais clairement, il faut tirer parti de nos ressources et innover à partir de là. Ce serait une bonne mesure à prendre. D'ailleurs, je crois que des initiatives en ce genre existent déjà. Peut-être qu'elles ne sont pas encore au centre du mouvement culturel, qu'elles sont peut-être périphériques, mais j'essaie d'envisager la chose dans une perspective plus large. Je me situe dans un certain contexte. C'est le contexte dans lequel je suis né qui, à certains égards, m'a donné naissance. Et ce contexte, c'est un patrimoine métissé. Comme l'a dit Dorsey, on provient de toute une histoire coloniale, précoloniale, et maintenant au XXIe siècle, je suis une Africaine de la diaspora, donc quelle est ma contribution depuis cette perspective? C'est puisque c'est cette perspective qui m'a construite. Je suis une personne mondiale, et l'Afrique que je veux, c'est une Afrique où chacun puisse contribuer, chacune puisse contribuer au niveau local, au niveau national, depuis leur communauté et où qu'ils soient dans le monde. Une Afrique de liberté, donc, où chacun puisse être un agent, un artisan libre, qui n'a pas besoin de la permission d'un autre pour agir. Il y a aussi une ambition mondiale à avoir. Si l'on a les ressources pour le faire et si on a les moyens de le faire, alors pourquoi pas? Par ailleurs, il faut véritablement investir dans l'artistique parce que cet élément culturel est vraiment une nourriture spirituelle. C'est une bonne conclusion, j'ai l'impression. Et c'est à moi de vous demander, Alissa, quelle est l'Afrique dont vous voulez? Oui, bravo, Dorsey. Vous avez raison, Alissa, dites-nous quel est votre rêve. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais être concise. L'Afrique dont je rêve, c'est une Afrique qui est consciente d'elle-même. C'est peut-être très simple, mais à partir de cela, on peut faire beaucoup. Voilà en deux mots l'Afrique dont je rêve. Bravo. Je vous remercie. Je vous souhaite plein succès dans tous vos projets. Très bonne semaine. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci Dorsey. Merci Bertha.
La série de dialogues sur l'Afrique nous donne l'occasion de changer le récit que les Africains font d'eux-mêmes. Lancé par le bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique en 2018, il s'agit d'une plateforme interactive à l'intention des responsables publics, des experts et expertes de la société civile et du monde universitaire, l'objectif étant de débattre des défis et des perspectives du continent. Le thème de cette année est « Art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». Il est ancré dans l'aspiration 5 de l'agenda 2063, à savoir une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthiques partagées. La culture et le patrimoine sont également mis en avant dans les objectifs de développement durable, les ODD, en particulier l'objectif 11, cible 4, qui dit « renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial, afin de rendre les villes ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables ». Notre débat d'aujourd'hui portera sur le sous-thème « La culture et le patrimoine, tremplin de transformation économique ». Je me présente, je suis Esther Nantana, je suis chercheuse pour le corps des jeunes volontaires de l'Union africaine et ferai aujourd'hui fonction de modératrice. Nous avons aujourd'hui un large éventail de panélistes ici et je suis enthousiaste à l'idée des riches discussions qui nous attendent. Alors permettez-moi de vous présenter nos intervenants. Nos intervenants sont les suivants. Afo Guénéguès, tout d'abord, experte en études africaines et à ce titre bien placée pour contribuer à nos débats. Nous avons Wevin Muganda, militante des droits humains et lauréate de la bourse Cora Weiss du Global Network of Women Peacebuilders. Ses travaux portent sur les droits humains, la paix et la sécurité. Elle plaide notamment pour l'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus décisionnels. Nous avons également parmi nous Sikelo Doubé, défenseuse inlassable des disciplines scientifiques. Sikelo Doubé est actuellement l'ambassadeur scientifique du Zimbabwe. Elle est fondatrice de LEC Biotech et d'Elevate Trust. Elle défend la cause des jeunes dans les sciences, l'éducation, l'innovation et l'entreprise. Elle est également mentor pour le leadership féminin. Nous avons également parmi nous Nial Deng, agent de transformation et défenseur des jeunes réfugiés, militant sur les réseaux sociaux. Enfin, dernière mais pas pour autant des moindres, Adebola Williams, journaliste, militant politique et conférencier, militante politique et conférencier, PDG du groupe RED. Il a cofondé et dirige RED Africa, le plus grand portefeuille d'enseignes médias jeunes, parmi lesquels RED Media Africa, Statecraft Incorporated, Future Worlds Africa et Nyaya. Grâce à ces intervenants, nous aurons un aperçu des nombreuses façons dont l'art et la culture peuvent jouer en faveur de nos ambitions et dont ils peuvent contribuer à la réalisation de nos objectifs de développement durable. J'espère que nos débats seront interactifs et riches d'enseignements. Ma première question ira d'abord à Afo Guénéguès. Ma question est la suivante. Selon vous, comment les gouvernements africains peuvent-ils s'appuyer sur le patrimoine culturel pour transformer l'économie? Allez-y. Afo, il faut brancher votre micro, on ne t'entend pas. Oui, pardon. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer à ce cycle de conférences sur l'Afrique, à cette série de dialogues sur l'Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les gouvernements africains peuvent faire front sur le patrimoine culturel, pas en recensant, protégeant et valorisant les sites culturels et en constituant des dossiers à leur sujet, et ce au moyen de stratégies touristiques ambitieuses. Le patrimoine est un levier de développement, mais c'est aussi un moyen pour les pays africains de se différencier au niveau continental
ou internationale sur la scène touristique. Prenons l'exemple du Ghana. Pour dynamiser l'économie locale et promouvoir le tourisme des mémoires autour de sites liés à l'esclavage, le pays a lancé en 2019 une campagne « Année d'un retour au pays » en commémoration du 400e anniversaire du départ des premiers esclaves africains vers la Virginie aux États-Unis. Il s'agissait, par le biais de cette campagne, d'inviter les Afro-Américains et les Afro-descendants en général à se rendre sur ces sites, mais aussi à investir dans des initiatives locales, voire même à déménager au Ghana. Cela a créé un afflux massif de visiteurs, dont certains et certaines ont investi sur place. La campagne a également attiré l'attention des médias internationaux sur le Ghana. Voilà un bon exemple de patrimoine culturel au service de la transformation économique. Waouh, impressionnant, merci beaucoup. Alors, pour résumer, l'idée est de mettre en avant les cultures africaines propres aux différents pays du continent et d'en tirer parti pour le tourisme. Cela fait du bien de le rappeler. Les industries culturelles et créatives génèrent un revenu mondial annuel de jusqu'à 2250 milliards de dollars d'exportation. Clairement, vos propos nous mettent sur la piste. Merci à vous. Ma prochaine question s'adresse à Sikuelo. Sikuelo, vous qui travaillez dans les STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les disciplines scientifiques, et qui essayez en somme de donner aux jeunes du continent des moyens d'agir, j'aimerais savoir en quoi pensez-vous que l'État peut soutenir les entrepreneurs, et les entreprises africaines en ce qui concerne la culture et le patrimoine, et comment faudrait-il s'y prendre ? Merci. Merci beaucoup, Esther. Et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. C'est un sujet qui me passionne. Ce que vous dites me parle beaucoup. Surtout parce que quand j'ai été invité, je ne voyais pas trop les arts, la culture, le patrimoine, cela ne fait pas particulièrement partie de mon travail. Mais c'est précisément pour cela que j'ai voulu participer. En cela, je suis l'image d'une jeunesse africaine qui a un peu perdu le fil de son patrimoine pour ce qui est des moteurs du développement durable, de construire l'avenir que nous voulons, de choisir nos figures tutélaires. J'ai directement fait le saut vers des choses plutôt occidentales. Mon domaine, c'est plutôt la numérisation. Mon truc, c'est la science et la technologie. Pourtant, il faut absolument rester enraciné dans sa culture, dans son patrimoine. Imaginons que 90% des jeunes soient comme moi. On aura très vite fait d'oublier qu'on est africain et que nous devons intégrer nos arts et notre patrimoine dans le travail que nous faisons. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais ajouter un A au STEAM, ce qui en fera donc STEAM en anglais, S-T-E-A-M, pour prendre en compte l'art, le A, dans toutes nos activités. Voilà comment on avance. Nos systèmes éducatifs devraient déjà intégrer cette idée. Il n'y a pas d'un côté les STEAM, la numérisation et la technologie, et de l'autre notre patrimoine. L'avenir appartient au numérique, c'est vrai, mais nous restons des Africains et Africaines. Nous restons fidèles à notre héritage, à notre patrimoine. J'aimerais donc encourager les gouvernements. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais chez moi, l'enseignement de l'histoire n'était pas obligatoire. Je n'ai pas appris l'histoire. Comme j'étais bon élève, on me poussait vers les maths et les sciences. On m'encourageait à réussir dans ces matières. Et c'est ce que j'ai fait. Mais l'histoire est passée à la trappe. Tout ce que je sais de l'histoire de mon pays, je le tiens de propos de ci, de là, ou bien de mes voyages.
Maintenant que je suis adulte, je peux me permettre de voyager. Je peux aller au Matabo Hills ou aux chutes du lac Victoria. Maintenant, j'apprends l'histoire par moi-même. Mais je voudrais adresser au système éducatif dans toute l'Afrique le message suivant. Il faut absolument transmettre notre patrimoine, notre héritage africain. Il faut que cela soit obligatoire. Qu'il soit impossible de sortir diplômé, voire docteur, sans avoir appris l'histoire de son pays. À mon avis, il faut l'intégrer au système éducatif. Je suis heureuse de dire qu'au Zimbabwe, le ministre, de l'Éducation s'est assuré que toutes les écoles primaires construisent des huttes. Vous savez, les huttes africaines. Les jeunes générations iront peut-être moins volontiers à la campagne. On reste en ville, là où on trouve ce qui nous plaît. Imaginons qu'on me donne un terrain pour construire. J'irai m'inspirer sur Internet. J'irai voir ce qui se fait de mieux aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Je ne vais pas mettre un toit en chaume chez moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourtant, il est important de savoir d'où on vient. Au Zimbabwe, toutes les écoles sont équipées de ces huttes. Elles sont faites avec les matériaux traditionnels, en bauge par exemple. Cela permet de mieux comprendre sa culture. Autrement, les enfants n'en feraient pas l'expérience et cela disparaîtrait. À mon avis, il est capital que le système éducatif prenne en compte la nécessité pour chaque étudiant de connaître l'histoire de son pays. Toutes les structures d'enseignement doivent y faire une place, chacune suivant les particularités du pays. Je pense que c'est très important. Ne dissocions pas les arts des grands moteurs de l'avenir, à savoir l'estime et la numérisation. Merci. Waouh! Je vous remercie. C'était très instructif. Vous mettez l'accent sur l'histoire. Vous l'avez très bien dit. Il faut défendre son intégration dans les programmes scolaires. À titre obligatoire, tout autant que les matières qui se taillent la part du lion. Le patrimoine, c'est essentiel. Merci beaucoup, Sikelo, de cette contribution passionnante. J'aimerais passer à un autre intervenant. Son nom est Neil Deng. Il est militant sur les médias sociaux, pardon, et se considère comme un artisan du changement. La question que j'aimerais poser à Neil concerne la façon dont la mise en récit et la communication peuvent stimuler le patrimoine culturel en Afrique. Vous maîtrisez les réseaux sociaux et il me semble voir que ceux-ci sont des outils puissants de mise en récit ou de recadrage de ce qui se passe dans le monde, en Afrique en particulier. Nia, pourriez-vous nous expliquer comment le storytelling et la communication peuvent être mis au service de notre culture et de notre patrimoine africain? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther. Je suis content de pouvoir vous parler de ce sujet qui nous tient à cœur à tous. Je ne vais pas trop m'étendre, mais en ce qui concerne le storytelling et la communication, l'une des fonctions possibles est de recadrer le récit, de faire connaître à chacun son histoire. Je pourrais faire le lien avec mon propre parcours. Je suis originaire du Soudan du Sud, mais mon père a fui en Éthiopie il y a près de 10 ans. En Éthiopie? Je m'excuse, ma caméra s'est éteinte. J'ai grandi en Éthiopie et je ne connaissais rien à mon pays d'origine. Mais mon père avait une petite radio et tous les soirs, les hommes du quartier venaient écouter la radio et par ce moyen, ils se tenaient au courant de ce qui se passait au pays et nous analysions les événements. Et c'est cette radio qui m'a permis de conserver un lien d'une certaine manière et d'entendre l'histoire de mon peuple, d'où je viens. Elle me rappelait aussi le voyage que mon père a fait en tant que réfugié du Soudan du Sud vers l'Éthiopie. Lorsque je suis arrivé au Kenya en 2010, je vivais dans un camp de réfugiés. Je pense que les récits étaient le seul moyen de donner un sens au monde qui m'entourait. Les récits sont un moyen d'opérer un lien non seulement avec notre passé, mais aussi avec le présent. Et puisque vous me posez la question de savoir comment ces récits peuvent être mis au service de l'histoire et de la culture de l'Afrique, en un mot, étant donné la dynamique de la culture et de l'histoire de l'Afrique, on parle beaucoup des aspects positifs de la culture africaine et des aspects moins positifs. Beaucoup de forces exogènes définissent la manière de raconter la culture africaine. Donner
un écho aux voix locales, leur donner les moyens de se faire entendre. C'est aussi faire ressortir la véritable histoire de l'Afrique et faire naître un récit endogène. De cette manière, on peut saisir une image véritable, retrouver le processus d'origine. Ma conviction est que par la mise en récit, par la communication, on peut recadrer le récit. Il y a beaucoup de manières de raconter l'histoire de l'Afrique, mais l'accroche narrative, la mise en récit véritable, la prise en charge de ce récit, de ce recadrage, par des gens d'ici, des Africaines et des Africains, on peut véritablement donner un nouvel élan à la culture du continent. Waouh, parfait, merci Nial, très intéressant. J'ai particulièrement apprécié lorsque vous avez dit que l'accroche narrative et la communication nous permettent de raconter nos véritables histoires et de recadrer le récit. Nous l'avons tous remarqué, nous autres Africains. On entend dire toutes sortes de choses sur l'Afrique, sur ce qui s'y passe, sur son évolution. Pour faire naître l'Afrique que nous voulons, il faut aussi que nous puissions contrôler ce récit, raconter nos propres histoires. C'est un gage d'authenticité, des histoires vraies. Je vous remercie de cette contribution. C'est très très intéressant. Je me tourne maintenant vers notre prochain intervenant, Wevin Muganda. Wevin milite pour les droits humains et plaide particulièrement pour l'inclusion des jeunes et des femmes. Voici ma question. Selon vous, comment faire pour mieux mettre en valeur la jeunesse et ce qu'elle porte en elle? Plus précisément, sachant que l'industrie culturelle est créative, emploie principalement des jeunes, quelles sont les principales politiques à modifier, selon vous, pour faire fond sur cette industrie en pleine croissance, qui est si riche de potentiel, pardon? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Je crois que l'industrie créative, comme vous l'avez dit, est largement composée de jeunes. La créativité a souvent servi à promouvoir des transformations sociales. Le défi, cependant, consiste à soutenir les jeunes dans l'industrie créative, soit en les rémunérant correctement, soit en créant un environnement sûr et convivial qui permette à leur créativité de mûrir et de s'épanouir. Les créatifs ne manquent pas, mais ils n'ont pas les soutiens adéquats, à savoir le financement des initiatives, la création d'un environnement propice à leur épanouissement, la mise en place de politiques et de lois qui protègent réellement leurs intérêts plutôt que de protéger, dirais-je, les gros bonnets. Prenons l'exemple des comédiens. Dans les pays africains, le théâtre de quartier joue un rôle important de lien social et de transmission. Il souffre cependant d'un manque de ressources et de financement. Ainsi, de nombreux jeunes vivent la créativité ou la participation à l'industrie créative comme quelque chose de temporaire. Ils ne s'y projettent pas sur le long terme, car cela ne paie pas. De nombreux pays africains n'ont toujours pas de cadre politique ou réglementaire propre à protéger les intérêts des jeunes. C'est particulièrement le cas pour les rémunérations. Même dans les cas où l'artiste est rémunéré, les restrictions réglementaires les empêchent de se développer. Même à supposer que l'artiste ne soit pas trop lourdement taxé et qu'il soit correctement rémunéré, si la corruption règne dans le pays, au final, cela étouffe aussi l'industrie. Pour tirer parti de ces forces vives en Afrique, il faut donc une protection stratégique. Waouh. Merci, Wevin. Je retiens en particulier que les jeunes ne considèrent pas les carrières créatives
comme une source de revenus, si je résume bien. Il ne s'imagine pas véritablement y consacrer une carrière, ce qui est paradoxal puisqu'ils y sont employés. Si l'on observe ce secteur qui manque de ressources et de financement, mais qui est un gros employeur pour les jeunes, on voit que le potentiel n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait escompter. Donc, il faut des politiques réellement protectrices pour faire en sorte que ce travail trouve les débouchés ou en tout cas le retentissement nécessaire pour créer un secteur réellement rémunérateur. Des politiques de ce genre seraient vraiment un atout pour la culture et les espaces créatifs. Merci beaucoup de votre contribution. Ma dernière question, ce tour-ci, s'adresse à Abebola Williams. Vous êtes journaliste, militant au niveau politique, et je suis sûr que votre travail sur le terrain est riche d'expériences et d'enseignements pour ce qui est du patrimoine culturel. Il me paraît aussi intéressant d'évoquer la façon dont vous avez fondé vos enseignes médias, entre autres initiatives. J'aimerais savoir ce qu'il faut, selon vous, pour attirer les investissements dans l'espace culturel africain. Mon vol vient de s'afficher à l'écran. J'aurais aimé que vous me posiez la question avant, mais je vais essayer de répondre rapidement à une ou deux questions avant d'embarquer. Nous étions censés parler de 3 à 4 heures et mon vol est à 16h15. Je devrais embarquer dans quelques minutes. Chaque pays a besoin de narrateurs, chaque continent aussi. Les perceptions ne viennent pas de nulle part. Si vous racontez votre histoire, les gens se font une image de vous. Mais c'est vous qui en avez la maîtrise. Si vous ne la racontez pas, les expériences viendront d'autres personnes et ce sont elles qui influenceront cette image. L'image est clé. Ainsi, chaque pays a besoin de compteurs stratégiquement affectés à la constitution de son capital image. Le capital image, c'est ce qui attire les investisseurs et les clients vers tel ou tel pays ou continent. Les États-Unis se sont bien débrouillés. Ils affichent leur particularité. Ils vendent une idée énorme, plus grande que nature. Partout dans le monde, ou presque partout, cela donne le sentiment qu'il n'y a de vrai que dans ce qui est américain. Le reste, c'est de la camelote. On vous vend l'idée que tant qu'on n'a pas vu les États-Unis, on n'a rien vu. Je vous le donne en mille. Il y a un autre pays qui a bien compris cette stratégie et qui l'a appliquée, et c'est la Chine. La Chine, avant, c'était le pays des produits au rabais, de la verroterie, alors que maintenant, nous tous et nos gouvernements les invitent à construire notre nation. Comment est-ce que l'on fait passer un pays d'une image associée aux produits bon marché, faux, vieillots et sans intérêt, à l'image du constructeur de nos routes, de nos gares? Imaginez l'audace. Ils voulaient construire une ligne de train reliant la Chine à San Francisco. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Donc ce que vous faites, ce que vous laissez voir de vous, c'est cela qui forge une image. La Chine a investi dans le storytelling. Elle a créé sa propre chaîne de télévision pour réaliser avec CNN. Et elle a investi des milliards de dollars au fil des ans. Ainsi, en Afrique, si un gouvernement africain veut vraiment parler au monde, il doit faire un grand effort de storytelling. Si les gouvernements africains, les nations d'Afrique en veulent vraiment, il faut qu'elles saisissent le pouvoir de la culture, notre culture qui, pendant longtemps, a été volée et représentée par la médiation de l'Occident. Un exemple récent. Il y a un sac qu'on trouve partout au Nigeria. Cela s'appelle un « Ghana must go ». Et cela ne coûte même pas un dollar. Le même sac, il suffit qu'un couturier américain connu s'en mêle, il en fait un sac à main et cela part pour 500 ou 800 dollars. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. Elles sont prises sur notre continent et reconverties par d'autres. Un artiste nigérien a franchi la barrière cette année. Burna Boy a remporté un Grammy. Pareil pour Wizkid avec Beyoncé.
Vous voyez que les musiciens nigérians collaborent avec des artistes du monde entier, pas seulement parce qu'ils le méritent, mais aussi parce que le son africain a trouvé un écho. Hier, j'ai regardé une vidéo de Kelly Rowland, d'inspiration purement afrobeat, l'afrobeat nigérian, de l'afrobeat de Fela. Notre culture fait des envieux. Nos danses sont dans leurs films, nos histoires sont dans leurs films. Mais ils continuent à présenter nos histoires d'un point de vue négatif, parce qu'il n'y a que nous qui puissions les raconter correctement. Si le lion ne raconte pas son histoire, on n'entendra que des récits de chasse. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Autrement dit, tant que nos pays ne prennent pas au sérieux le rôle de la narration, nous, on ne le prendrons pas au sérieux, nous n'attirerons pas les investissements adéquats. À tous les niveaux, tourisme, respect pour notre culture et notre patrimoine. Au Brésil, il y a des villes où l'on vénère certains dieux qu'au Nigeria, on méprise. Il y a un dieu Yoruba, lorsqu'il entre au Brésil aujourd'hui, il est traité comme une... Donc lorsqu'il entre au Brésil aujourd'hui, il est traité comme une divinité. Il est littéralement vénéré. Mais au Nigeria, les gens lèvent le nez, ils se disent que c'est diabolique, que c'est traditionnel, qu'il ne faut pas y toucher. Donc, plus tôt nous nous réveillerons en tant qu'Africains, et plus tôt nous commencerons à construire un capital image et à monétiser les bénédictions que Dieu nous a accordées sous forme de culture et de patrimoine. Et mieux ce sera pour le continent. Et ce n'est pas seulement une question d'argent à gagner, ni une question d'appâter le chaland. Le patrimoine culturel, c'est votre interface avec le monde. C'est donc un grand atout. Le plus vite, comme je l'ai dit, sera le mieux. Les États de notre continent doivent comprendre tout l'intérêt qu'il y a à investir dans la création de systèmes et de structures pour aider l'industrie du divertissement. Investir dans des cinecittà, trouver de jeunes cinéastes ou même des cinéastes plus âgés qui font du bon travail et leur donner des fonds. Financer leurs studios, financer leurs chaînes de télévision, financer leurs films, créer un fonds pour le cinéma. Il y a un rôle de catalyseur à jouer. Dès que les films auront du succès, les marques viendront, le secteur privé viendra investir et les gouvernements n'auront plus à investir massivement. Et ensuite, dès qu'on commencera à produire des films de qualité, on verra arriver Netflix, Sony, Amazon. Une fois que ces studios achètent vos films, vous faites entendre vos histoires au monde entier. Des gens des États-Unis, des Caraïbes, de Chine, ils regardent Netflix, Amazon chez eux, puis ils passent des coups de fil pour en savoir plus sur votre pays, voir ce qui s'y fait, voir les opportunités. C'est une chaîne de valeur énorme. Il faut qu'on se réveille. Merci Adebolo. Vraiment passionnant. J'ai trouvé très intéressant votre idée selon laquelle l'image est la clé. Et donc, il faut faire fructifier cette image, investir dans nos histoires, notre culture. C'est un investissement qui finira par payer pour nos pays, pour nos continents. Je vous remercie de cette contribution. Je sais que vous avez un avion à prendre. Est-ce que je peux peut-être... Votre micro est coupé. J'ai le temps pour une dernière question rapide, dit Adebolo. J'ai une question que j'aimerais poser à tous. Cela concerne la façon dont les jeunes Africains, Africaines, peuvent promouvoir l'héritage africain depuis leur perspective à chacun, chacune. Selon vous, à titre individuel, comment promouvoir la culture africaine et l'Afrique créative et culturelle ? Il s'agit avant tout de garder les yeux ouverts, de comprendre la part de responsabilité qui nous incombe à chacun, chacune. Il y a 5 ans, 6 ans, j'ai décidé de commencer à m'habiller exclusivement à la nigériane, sur les Champs-Élysées, à Manhattan, à Oxford. Il y a de grandes chances pour que je sois habillé comme aujourd'hui. J'ai pris cette décision parce que je voulais afficher mon identité où que j'aille. Je voulais aller partout, montrer l'exemple et faire des émules. Je voulais qu'on se dise en me voyant, voilà un Nigérian. Je voulais participer au recadrage du récit. Je voulais faire de moi-même une publicité humaine. Les jeunes doivent comprendre que eux aussi, ils ont un rôle publicitaire, que ils représentent leur pays, leur apparence, leur comportement, la façon dont ils se présentent. Quelle image est-ce que vous laissez ?
Il faut que les gens, quand ils rencontrent, quand ils vous voient, quand ils disent « j'ai rencontré tel Kenyan, tel Rwandais, tel Zimbabwe, j'étais bluffé ». Il faut maîtriser son apparence sur le plan physique comme sur le plan mental. Il faut aussi mieux maîtriser l'utilisation des plateformes qui vous connectent au monde. Qu'est-ce que vous faites de vos téléphones? Qu'est-ce que vous faites sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, sur TikTok? Comment faites-vous la promotion de votre pays? Comment communiquez-vous votre développement, vos opportunités de croissance pour ce qui est de la technologie? Il faut donc une plus grande maîtrise de ce que nous communiquons avec nos téléphones portables, avec TikTok, avec l'ensemble des plateformes de médias sociaux. Ce sont elles qui nous relient au monde. C'est là que se créent nos images. Il suffirait que chaque jeune Africain décide de publier chaque jour sur Internet l'histoire d'une personne africaine. Je vous promets que notre image changerait, cela vous surprendrait. Il faut donc répondre à l'appel, et ça avec plus de maîtrise. Envoyer des messages plus représentatifs du développement de votre pays, y compris ce qui reste à l'état de promesse. Dernier point, on ne peut plus se contenter d'un rôle de consommateur. Il faut devenir des créateurs. Il ne suffit plus de servir de source d'inspiration, il faut réellement que nous soyons des inventeurs, des inventrices, nous, les Africains. Il faut consacrer du temps à nos propres réflexions, nos propres créations. Il faut créer nos propres plateformes pour raconter nos propres histoires à notre manière. Sur Internet, tout ce qui ne rapporte rien coûte de l'argent. Le temps sur Twitter, Facebook, Instagram, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. On tire de vous des données marketing. Et c'est un autre qui fera des fortunes avec nos vêtements, avec nos ventes. Il faut créer des plateformes à l'intention des 1,2 milliard de personnes du continent. Il y a plus de 300 millions d'internautes sur le continent. Il faut créer nos propres plateformes, nos propres écosystèmes, nos propres plateformes médiatiques. Il ne faut pas donner aux jeunes l'image que nous n'en sommes pas capables. Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, Jeff Bezos, ils sont à l'origine d'énormément de choses et ils ont commencé comme vous et moi. Personne ne croyait en eux et pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Il suffit de tendre la main. Vraiment, nous vivons dans un village mondial. Le monde est plus connecté que jamais. On trouve tout sur YouTube. On peut contacter des gens sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, mais pas simplement pour s'amuser, pas simplement pour la mode, mais vraiment pour inventer, pour créer, pour innover. Il faut y réfléchir, reprendre la main sur notre destin sur le continent. Je vous remercie. Et sur ces bonnes paroles, je peux vous quitter. Merci beaucoup à Debola. C'était très instructif. Bon voyage. Merci beaucoup. C'était vraiment riche d'enseignements. J'aimerais reposer la question aux autres participants. Comment, selon vous, promouvoir le patrimoine africain, chacun depuis la place qu'il occupe? Alors, je reviens d'abord à Afo. Alors, je parle pour moi, mais je crois que je suis assez représentatif de la jeunesse en Afrique. Les jeunes Africains devraient commencer par s'intéresser davantage à leur patrimoine, à leur site culturel. Et cela passe d'abord par s'y rendre, par prendre conscience de cette richesse et en tirer fierté. Il faudrait qu'ils en parlent, qu'ils disent ce qu'ils ont aimé, ce qui les a touchés. Et cela, en le partageant sur des médias sociaux, publiant des photos, en écrivant des blogs, et cela peut attirer davantage de public sur ces sites. Je crois que les Africains devraient aussi créer des concepts innovants, faire tendance. Ils peuvent utiliser TikTok, Twitter, publier des mots-clés en lien avec les sites du patrimoine en question. Cela permettrait de susciter l'intérêt et d'attirer du public. Merci. Merci beaucoup, Afo. C'est vraiment une invitation au voyage. Moi, je compte aller à Mombasa. Je vous remercie de m'avoir donné cette idée. Je vais reposer la question à Nial. D'après vous, comment est-ce que les jeunes peuvent promouvoir l'Afrique, les patrimoines africains, chacun depuis la place qu'il occupe? Nial est peut-être hors ligne. Je vais passer la parole à Cicelo. Je ne suis pas certaine d'où vient le phronème, ça vient peut-être de moi. Merci de la question. Je voulais d'abord
saluer notre frère nigérian. Effectivement, le Nigeria a su préserver son identité. Dès qu'on croise un Nigérian, un Nigérian, cela se voit. C'est un pays qui a su préserver sa culture. On cherche chez nous à créer une tenue africaine pour afficher notre identité zimbabwéenne. Mais peut-être qu'il est bon de savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de métissage chez nous, chez nos aïeux, avec l'Afrique du Sud et le Botswana. Une Sud-Africaine, ça se reconnaît au premier coup d'œil. Donc peut-être ce n'est pas tellement d'une tenue qu'on a besoin. Peut-être on a besoin de Sud-Africaines. Pour revenir à votre question, dans mon secteur, à savoir les sciences et la technologie, il est extrêmement important, à mon avis, d'incorporer les arts. Ça peut être source de créativité, mais cela nourrit aussi les réflexions éthiques. Ça nous rappelle, par exemple, qu'on ne peut pas simplement mélanger une cellule par-ci par-là et créer des êtres humains. Il y a tout un questionnement éthique. Donc, il est nécessaire d'incorporer les arts dans nos travaux. Ça serait source de créativité et d'innovation. Donc, il y a tout intérêt à promouvoir cet aspect des choses dans les politiques éducatives et les politiques d'innovation qui doivent intégrer une perspective africaine. Par ailleurs, j'ai remarqué que quand j'accompagne, quand je travaille comme coach auprès d'un entrepreneur, un conférencier, un orateur, on retombe toujours sur la question de la proposition de valeur. Pour l'instant, nos startups, elles passent à côté de cette question parce qu'elles cherchent à innover sans prendre en compte la situation dans laquelle elles se trouvent. Certaines innovations, si elles ont du succès en Afrique, c'est parce qu'elles viennent d'Afrique, parce que vous avez conscience de votre patrimoine et que vous savez ce que vous voulez. Moi, je m'inscris en faux contre l'idée d'une mission mondiale. L'idée que pour ce qui est des ODD, on doit tout se placer dans une perspective mondiale. À mon avis, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord que l'innovation ou la start-up réussisse dans votre entourage immédiat et puis ensuite on pourra songer à l'exporter. Donc, dans nos innovations, nos entreprises, il faut vraiment un élément artistique, un élément de prise en compte du patrimoine et c'est là que nos innovations peuvent puiser toutes leurs forces. Merci beaucoup. Vous me dites que votre formation est exclusivement scientifique, mais vous êtes active sur tellement de fronts. Je trouve vraiment remarquable votre effort sur le patrimoine. Je vois que Nial est de retour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai l'impression qu'il y a encore des problèmes techniques. Nial. Comment est-ce que les jeunes Africains peuvent promouvoir l'héritage africain depuis leurs perspectives respectives? Oui, merci beaucoup de la question. La première des choses, c'est de nous instruire. On ignore encore beaucoup de choses sur l'Afrique. Il faut creuser un peu, il faut parler aux anciens, aller chercher des ouvrages, les lire, essayer d'aller en profondeur, se poser des questions. Cela commence donc par essayer de comprendre notre histoire. Les jeunes doivent aussi pouvoir tirer la meilleure partie des médias sociaux. Pour reprendre le proverbe, si celui qui ne raconte pas son histoire, un autre le fera pour lui, et l'histoire sera peut-être faussée. Si on ne fait pas nous-mêmes ce travail, d'autres décriront l'Afrique comme ils la voient. J'ai l'impression que les jeunes doivent tirer le meilleur parti des médias sociaux. Moi, j'ai beaucoup vécu au Kenya et là, on peut voir tout le pouvoir des médias sociaux. Il suffit qu'un mot dièse apparaisse, et cela a un succès viral et cela peut même menacer des leaders politiques. Donc, il y a beaucoup à faire avec ces outils qui sont à notre disposition. Ça nous permet de raconter nos propres histoires d'une manière véritable. Cela permet aussi peut-être de recadrer le récit. Je vous remercie. Je trouve ça très appréciable. Vous êtes très actifs sur les médias sociaux et puis vous nous ramenez toujours à cette idée qu'il y a un véritable pouvoir des médias sociaux. Maintenant, je vais reposer la question à notre dernière intervenante. Wevin, est-ce que vous souhaitez intervenir?
Je ne sais pas si j'ai besoin de rappeler la question, on l'a répété à de nombreuses reprises, mais selon vous, comment est-ce que les jeunes Africains, les jeunes Africaines peuvent promouvoir l'héritage africain dans leurs espaces respectifs? Pensez à activer votre micro. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'honorer notre culture, notre patrimoine. Le plus important, c'est peut-être de rester fidèle à nous-mêmes, à nos histoires, à nos pratiques. Si vous me demandez mon avis, c'est la meilleure forme de leadership. Et cela passe déjà par notre langue. Donner toute leur valeur à nos langues. Il faut s'assurer que nous accordions toute leur valeur à nos cultures et à nos pratiques. Mon domaine d'expertise, ce sont les droits de l'homme, la justice. À mon avis, les droits humains ne seront réalisés en Afrique que s'ils sont adaptés au contexte africain. Dans le monde entier, il se trouve des gens pour penser que les droits humains sont un concept occidental et que cela, cette origine occidentale a donné lieu à de nombreuses exactions. Le storytelling fait sans doute partie de notre culture. L'utilisation des histoires pour promouvoir les droits humains peut être une manière de rester fidèle à notre culture et à notre patrimoine. Je travaille, quant à moi, beaucoup sur les soins. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui aient une meilleure approche thérapeutique que l'Afrique. Ce soin, elle est au cœur de nos cultures. Alors, c'est vrai que les financements nous manquent, mais les soins sont au cœur de nos communautés. On s'entraide les uns les autres pour la récolte, on s'entraide pour l'éducation de nos enfants respectifs. On partageait le fardeau, pour ainsi dire. En même temps, les victoires collectives étaient fêtées au niveau individuel. Voilà autant de pratiques qui font de nous ce que nous sommes. C'est cela qui fait de nous véritablement des Africains et je crois que c'est de cela qu'il faut s'inspirer. Merci, Wevin. Je crois que dans les réponses, il y a eu de bons résumés de nos délibérations. Vous avez tous participé depuis votre perspective particulière, depuis vos domaines de compétences, et vous nous avez dit comment utiliser la culture, comment utiliser notre patrimoine pour transformer nos économies depuis notre pays, mais aussi au niveau continental. Alors cela passe par le tourisme, par la promotion des arts, par la promotion de nos couturiers, nos designers, nos musiciens. Alors, avant notre conversation, j'ai l'impression que je ne savais pas autant que maintenant. Donc, je remercie les intervenants. Je les remercie de nous avoir fait part de leurs connaissances. Je suis bien content que nous ayons pu nous rencontrer aujourd'hui et que nous ayons pu nous parler. J'espère que la conversation continuera sur les différentes plateformes. Et je vous encourage à continuer ce travail excellent que vous faites chacun dans vos communautés respectives. Et j'espère que par ces rencontres, nous pourrons créer l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie.